Et maintenant, comment effectuer un momo? Ça veut dire que tu vas envoyer un momo à quelqu'un. Ça peut être quelqu'un que tu connais, quelqu'un qui vend. Il y a plusieurs personnes qui font le business. Richard Anguet paye par momo. Ça veut dire que tu gagnes un pourcentage, n'est-ce pas? Donc tu pars dans les traders, tu pars dans mobile money. Maintenant, dans mobile money ici, tu peux choisir, n'est-ce pas? Choisir l'opérateur. Donc ici, c'est local, il y a local international. Donc j'ai choisi local, j'ai choisi MTN. Donc je vais faire un momo. Donc il y a cash in. Cash in signifie que tu envoies l'argent vers la personne reçoit une fois. Cash out signifie que la personne va recevoir un code et la personne confirme avec le code, avec son code momo, si la personne veut vraiment. Si la personne veut vraiment confirmer, donc c'est un peu ça, confirmer le retrait. Donc ici je mets le numéro de téléphone et là maintenant je mets le montant et là donc voilà. Numéro mobile money cash in cash out. Là on me dit maintenant de confirmer, donc je vais retirer 500 fois, on me dit de confirmer avec mon code, donc je vais mettre mon code. Donc voilà ça. Payment successfully. Voilà, c'est le message qui vient d'arriver. Vous avez reçu 500 francs. Voilà ça. Donc ce retrait est simple. Est aussi simple que ça. Donc voilà les 500 francs que je viens de recevoir. Voilà ça. Donc vous avez reçu 500 francs. You have received 500 francs. Donc voilà ça. Le retrait est facile. Donc comme ça que tu fais le retrait. Et. Donc voilà ça, voilà le retrait que je viens d'effectuer, n'est-ce pas? Et là, je reçois mes 2% de commission sur toute transaction Momo. Donc c'est un peu ça.